Salut à tous, c'est Yosko et bienvenue chez les Salad Punchers. Aujourd'hui, je me retrouve entouré de deux belles sirènes. Luna et Sam. Ah, ça fait plaisir de vous voir. Merci de m'avoir amené ici. Je t'en prie, vas-y. Et donc si on se retrouve aujourd'hui réunis, c'est pour vous parler d'un jeu qui s'appelle Aquaria. Et donc il s'agit d'un jeu où on incarne une femme poisson. Alors, c'est pas Ariel, hein. C'est pas une sirène. Non, clairement, elle a deux jambes déjà pour commencer. Voilà. Effectivement, elle a deux jambes palmées. D'ailleurs, si je m'arrête un peu, je crois que ça va zoomer un peu pour qu'on la voit un peu mieux. Allez, zoom. Ariel. Non, ça s'appelle pas Ariel. Elle s'appelle Naija, en l'occurrence. Comme une nageoire. Comme une nageoire, c'est un peu ça, ouais. Et elle se balade dans les profondeurs de l'océan. Elle peut parler aux poissons, oui, chanter. Elle les attire quand même, les poissons. Ouais, c'est ça. Elle les attire. Bah, faut dire que c'est une belle plante. Je veux dire, un beau poisson. C'est ça. Elle a des jolies écailles. Des jolies écailles. Donc, en fait, c'est un jeu qui est surtout basé sur l'ambiance et l'exploration. Et, bon, c'est pas forcément quelque chose qui est facile à retranscrire au cours d'une vidéo de présentation comme celle-ci. Mais on va quand même essayer d'y arriver, hein. Et, Donc là, tu nous amènes en fait des petits poissons près de rochers, si je viens. Ouais, c'est ça. Donc en fait, si j'ai choisi ce passage-là à vous montrer en premier, c'est parce que c'est un passage assez calme du jeu qui donne un premier aperçu un petit peu des choses. Et surtout, eh ben, on y chante un petit peu et on va bientôt pouvoir voir une transformation qu'on va apprendre. Parce qu'en effet, Naija a le pouvoir de se transformer. Alors c'est des petits poissons qui ont des super jolies couleurs, mais ils sont un peu moches quand même, hein. On dirait des piranhas. Oui, alors le style graphique du jeu en 2D, moi je le trouve sympa, mais je comprends qu'il puisse ne pas plaire à tout le monde. Donc voilà, j'ai réussi à remplir la petite énigme, entre guillemets, et... Ah mais tu faisais quelque chose là en fait. Oui, mais... Tu nageais pas au hasard, on aurait dit, hein, quand même. Non, j'apprenais un chant. Ah. Ouais, et voilà, difficile. Maintenant moi aussi je suis un petit poisson. C'est un poisson vachement flippant parce qu'il a un visage en fait. Moi ça me fait un peu peur mais bon. Ça me permet de nager beaucoup plus vite. Et donc, bon après rien ne m'empêche de reprendre ma transformation, mon apparence de base. Et de refaire un chant pour me retransformer. Voilà. En fait, tu le connais par cœur ton chant en fait. Oui voilà, normalement il nous l'explique, il apparaît dans le menu. Hein, on a tous les chants sur la gauche là. Celui que j'ai appris c'est celui-là. Là. Et du coup, il y a des humains à la surface qui font de la pêche intensive ou pas? Faire gaffe au filet? Eh ben, en fait, comme c'est un jeu qui se passe essentiellement dans les profondeurs de l'océan, on n'en a pas beaucoup l'occasion de se rendre compte. D'ailleurs, Naija, ici, est la seule être intelligente qu'on croise dans l'histoire, ou presque, le reste étant des civilisations disparues dont on va entendre parler. D'ailleurs, je vais vous charger un autre endroit du jeu pour que on puisse voir d'autres choses un peu intéressantes à ce propos. Donc là, tu nous as chargé une nouvelle... Voilà, exactement. Un nouvel environnement. Un nouvel environnement. En fait, on se trouve ici actuellement dans un temple abandonné d'une civilisation disparue. Le temple est d'ailleurs en ruine. On aura une petite vidéo après qui va nous expliquer un peu... le pourquoi, mais en fait là je vais me retrouver face à un petit boss parce qu'effectivement sous la mer il n'y a pas que des êtres sympathiques et agréables, il y a aussi des énormes tigres, je sais pas trop ce que c'est en fait. Donc voilà. T'as comme une chose qui te suit là. Ouais, alors voilà, c'est une espèce de boule que j'ai attirée, il fallait que je la place là pour pouvoir combattre mon ennemi. Je me transforme sous cette forme là, c'est la forme de l'énergie qui va me permettre de tirer des petits lasers. Voilà, et hop, je tire dans la boule blanche et ça lance un gros laser. J'essaie de la tirer, je vais galérer là, hein. Excusez-moi, je suis concentré. Un gros cerbère des profondeurs. Bon, ça avait l'air paisible comme jeu, mais en fait pas du tout. Hein. Exactement, en fait, c'est que c'est un jeu d'exploration et d'ambiance, etc. Il y a plein de petits poissons mignons, il y a plein de belles choses, mais finalement, il y a aussi des êtres qui veulent nous dévorer. Et je suis dans la capitale. Je vais essayer de me concentrer un peu. Il y a des boss, en l'occurrence là, ce monstre-là,
n'est pas simplement une bête des mers. Il s'agit du dieu de la civilisation disparue. C'est un dieu dont l'âme a été corrompue. C'est un dieu dégénéré, en fait. Exactement. Et il fallait que je combatte pour y arriver, pour voir ça. C'est un dieu mort. C'est le dieu noyé. Voilà. Donc, en gros, ce qu'elle va nous expliquer là, c'est que la civilisation en question... c'est une civilisation un peu guerrière et ils se sont menés à leur propre perte. En gros. Les Crotites. Beaucoup aux Argonautes. Ouais. Avec des têtes de loulou. Oh non, mais qu'est-ce qu'il fait? Eh ben voilà, ouais, sous la mer, il n'y a pas que des gentils, il y a aussi des méchants. Mignon, mais... ouais. D'ailleurs, la lettre qui l'a tué, c'est une autre race intelligente qui a elle aussi disparu. Et c'est quoi, une sorte de crevette? Une crevisse, on aurait dit un ouais. Poisson rouge ouais. Évolué. Pauvre bête. Bon voilà, on... tiens, je me rappelais pas de ça. Ah oui, c'est juste un des objets qu'elle peut ramener à sa petite maison après, mais... Si tu récupères des objets... Ouais, c'est des trucs à collectionner. Et tu t'es transformé en quoi, alors, tout à l'heure? Ah, cette transformation-là, c'est la forme de l'énergie. Elle a assez la classe, en gros, elle tire des trucs... On dirait une elfe. Ouais, on dirait une elfe de la nuit qui crache du feu, sauf qu'on est sous la mer, donc je suppose que c'est pas vraiment du feu. Mais si tu chargeais une partie où t'es pas à moitié crevé? Ouais, ça serait pas mal. On va aller regarder d'autres coins sympas, vous allez voir. Hop. Voilà, ici on se retrouve à un endroit un peu différent. On a vu jusqu'à présent... T'as un copain! T'es dédoublé! Oui, alors chaque chose en 30 secondes! J'ai plein de choses à dire. C'est une sauvegarde qui est un peu plus loin dans le jeu. J'ai deux copains en l'occurrence. J'ai un poisson qui me suit, un monsieur. Je vous ai menti tout à l'heure en disant que Naija était le seul être intelligent qu'on allait croiser dans le jeu. Il se trouve qu'on a aussi ce personnage-là qui s'appelle Lee, je crois. Qui se trouve être un être humain. Donc, en l'occurrence, on a fini par passer à un moment à la surface. On vous montrera ça tout à l'heure. Et elle y a croisé un être humain. Ouais, il a pas de mitrailleuse, mais il a un blaster. Voilà. Ouais, il est effectivement humain. Il est en train de détruire toute la faune qui ouais, passe. C'est ça. Et il tire avec un laser qu'il a dans mais le bras. On est où, là, exactement, d'ailleurs, en fait? Eh ben, alors, bon, vous voyez ces espèces de formes là bizarres. En fait, il se trouve que c'est des maisons qui sont issues à l'origine d'une cité disparue et ça pareil. Ressemble à des bases en fait. Voilà. Mais par contre, si on regarde dans cette zone là, vous voyez que c'est très organique ce qu'on a sur les bords. Et vous voyez ce bidule là? Une glotte. Ouais. C'est une glotte parce que nous sommes à l'intérieur d'une baleine. C'est monstro. C'est la baleine de terrible. C'est la baleine de Pinocchio. Monstro. Ouais, elle est la classe, hein. Donc voilà, on se trouve être près d'une baleine. Non, on était dans le ventre d'une baleine. Et surtout, on est... Alors bon, là, c'est peut-être pas très cohérent d'un point de vue... animalier, mais... mais on se trouve, là. Je suis pas très prudent. Non, mais c'est pas hyper réaliste, hein, de toute façon. Ça, on avait... Ton humain, jamais, il meurt parce qu'il a plus d'oxygène sous l'eau. Ah non, il a appris à respirer. Il a appris à respirer. Ah oui, pardon, c'est vrai que l'évolution, c'est comme ça. Les gens respirent sous l'eau. Non, non, c'est moi qui lui ai donné le pouvoir à un moment dans le jeu. Mais il peut respirer. Et donc, ce que je voulais dire qu'il y a de bizarre, c'est qu'en fait, on se trouve ici, actuellement, dans les abysses. Alors, je regarde la carte un instant. Oui. On se trouve actuellement dans les abysses et pourtant on y a croisé une baleine. Je suis pas sûr que les baleines descendent dans les abysses. Dans les abysses, généralement, on y croit plutôt des trucs comme ça. Un poisson lanterne, je crois. Ouais, je crois que ça va comme ça. En tout cas, il est pas sympa. Hein. La vache. Donc je vais essayer de lui rooster la tronche avant qu'il me rooste la mienne. On voit absolument plus rien. Il a et voilà, donc il faut abysses, que je reprenne ma transformation qui me permet de faire la lumière. Ouh. En fait, c'est une sorte d'écho radar, mais lumineux. C'est un peu étrange. Et on croise aussi ici plein d'autres espèces un peu typiques des abysses, je suppose. Je sais pas s'ils aiment trop que tu fasses de la lumière comme ça, ils sont pas trop habitués normalement les bestiaux des abysses. Ouais. Ils sont normalement transparents avec des yeux un peu myopes. C'est ça. Ça leur sert pas à grand chose en fait. C'est exactement ça. Donc voilà. Bon voilà, on a pu voir le ventre d'une baleine, on a pu voir les abysses. Tiens, c'est ça.
Ah oui, c'est notre bestiole qui risque de manger. On a pu voir des jolis petits poissons dans des eaux courantes. Et une sauvegarde avec les hippocampes. Avec les hippocampes. Oui. Je ne crois pas en avoir sous la main. Mais par contre, j'ai quelque chose d'au moins aussi sympa à vous montrer. J'ai effectivement un élément au moins aussi sympa à vous montrer. C'est la surface et mes amis les dauphins. Salut Skipper. Allez, venez sauter avec moi les dauphins. Vous êtes où les copains? Youhou. Ouais. Wouhou. Je suis libre. Ça a l'air de faire froid ton pays. Oh, un beluga. C'est un beluga. Ah, c'est un beluga, effectivement. C'est quoi la différence avec le lamantin? Je sais pas. Bah, un beluga, c'est un dauphin. Et un lamantin, je crois que c'est un peu plus similaire à un phoque, si je dis pas de bêtises. Je sais pas. Mes amis des dauphins. Regardez les copains, on va sauter. Ouais. C'est mignon, hein. Tu sautes pas haut, toi. Ah, attends, si, je peux sauter plus haut. J'ai une transformation, c'est là. Voilà, cette transformation-là. Alors comme ça, je saute vers les bulles d'eau. Vas-y, va dans les bulles d'eau. Mais je peux pas les atteindre, elles sont trop. C'est vrai? Ouais, vous voyez, il y a des bulles d'eau là-haut. Ah. Qui flottent dans l'air, on sait pas comment, c'est par magie. C'est pas dans la bonne zone, c'est ça? Et voilà, non, normalement, je peux peut-être les rejoindre. De l'autre côté, non? Ah oui, t'as raison. Bon, on va peut-être essayer d'aller regarder ça, ça devrait être sympa. On va passer sur la Terre. Hey, il y avait un panda là. Si, on va passer sur la Terre. C'est pas un panda, je crois que c'est... C'est quoi déjà? Une loutre. Une loutre. Regarde, elle a un petit caillou, mais si, elle a un caillou sur le ventre en fait, parce que quand elles vont chercher des coquillages au fond de l'eau, elles les cassent sur leur ventre avec la pierre en fait. Elles vont rentrer les pattes. Voilà. Ah oui, mais je trouve qu'elle a quand même une tête de panda cette loutre. Alors, il y a un problème, c'est qu'il y a quelques rares endroits dans le jeu où il y a la surface, et où je peux aller, sur la terre, mais... Grenouille. Mais grenouille, voilà. Je me déplace comme... Comme n'importe comment, je suis pas du tout fait pour ça. Ah, pas mal. Non, mais c'est mignon. Oui. C'est une façon de se déplacer. Tu te dessèches si tu restes. Bah, je sais pas. Je suis jamais resté très longtemps parce que très sincèrement, c'est pas super sympa. C'est esthétique, ouais. Voilà. Et donc, on va aller voir un peu ce qu'il y a par là. Mais ah oui, c'est le même problème. Faut que je fasse la transformation de la bête. Et je crois que ce passage est super dur. Ah. Ouais, non mais laisse tomber. Voilà, donc on va peut-être pas se casser la tête. Tu peux les voir, je crois. Bon, bon voilà, je vous ai montré un bon aperçu du jeu. Il y a des passages qui sont juste très mignons avec des bestioles sympathiques. Des petites crevettes. C'est, ouais, je sais pas, des crevettes. Des crevettes. C'est des langoustes. Des langoustes ou je sais pas exactement. Ouais, ça va être ça. Je suis pas expert. Il y a des passages avec des bestioles un peu plus méchantes, toute une histoire qui se construit autour de ces civilisations disparues, dont on va visiter les villes sous-marines d'ailleurs. Et voilà, enfin bref, tout ça pour dire que l'ensemble de ce jeu est vraiment très, très sympathique. On est porté par une musique que moi je trouve aussi très belle. Elle peut paraître entêtante par moments, mais c'est ça qui joue grandement à l'ambiance du jeu et qui fait que moi je suis très, très fan de ce jeu. Tout ça pour dire que je vous le conseille fortement. Il a une durée de jeu, la partie se finit peut-être en une quinzaine d'heures. Qui pour un petit jeu est déjà vraiment pas mal. Et voilà. Je sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter. T'avais peut-être un autre passage à nous montrer Ben ouais, je charge une dernière zone. Donc voilà, une dernière zone proche de la surface. Yay, la tortue. Avec des tortues qui nous permettent de... disque monde. De place. Trop classe. Et voilà. Et on va aller nager avec les poissons. Ouh, c'est sympa là. Oh, t'as un petit marsouin. Ouais, c'est la seule, c'est l'une des seules espèces de surface qu'on voit avec les perroquets. Sympa. C'est beau. Hey, il y a un perroquet là aussi. C'est pour ça que ça rame, c'est parce que c'est beau. Ouais, ah, j'espère que ça ramera pas trop dans la vidéo. Et là, c'est quoi? Des dragons? Un dragon d'eau, je sais pas trop ce que c'est. D'accord, il se fait attaquer le pauvre. Mais en fait, oui, je suis accompagné d'un poisson qui attaque tout ce qui bouge en fait. Mon dieu. C'est le petit poisson noir là. Ouais, c'est... C'était mon impitoyable, hein. Salut toi. Bonjour. Je peux peut-être lui monter dessus. Petite tortue de mer. Non, je peux pas. Dommage. Est-ce qu'il y a des hippocampes dans le coin? On va aller se balader, on va voir. Il y a des gros cerveaux là, en tout cas. Non, on va passer par là. Oh, la rivière canadienne. Ah.
Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'encre des les langues des poules qui me fait cet effet-là. C'est le calamar qui t'a attrapé. Ouais, je peux après l'attaquer. Alors bien sûr, ma transformation d'énergie, ça me permet de tuer des poissons. T'es belliqueux hein, quand tu t'y mets. Hein. Ouais, je peux tuer à peu près tout ce qui bouge. C'est ton côté humain qui ressort. Hein. C'est exactement ça. Après, il y a des bestioles qui m'attaquent aussi, donc ça peut être utile de... Tu tues pas les poissons clowns, là, hein, t'es gentil. Non, mais il faut que je tue ce truc-là, là. Voilà. C'était quoi? C'est pas, Shubham, c'est des bestioles qui m'attaquent. Hein. Ah, c'est vrai que c'est des poissons clowns. Bah oui. Des petites anémones et Ah oui, d'ailleurs, moi, ça me fait mal quand je vais dans ces trucs-là. Bah, les anémones, c'est un peu venimeux, quand même. Hein. Ouais, c'est un peu venimeux, c'est vrai. Est-ce qu'il y aurait pas... Si joli, avec les étoiles de mer, les coraux et tout. Il est vraiment beau ce jeu. Et regarde. Je sais plus comment ça s'appelle ces poissons-là. Un poisson ballon. Oui. Un poisson ballon, tout simplement. Et ça, ça je sais pas. Aussi. Ça c'est une bonne question. Une banane. Il y a des crabes et tout, on va en croiser un peu plus. Waouh. Franchement, il est magnifique. Bah, franchement, ça vaut le coup. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Je pense que pour les passionnés des océans, ça doit être sympa. Après, je sais pas si c'est si ça reste, enfin, si c'est très juste en termes de biologie, quoi. Mais... Bon, ça garde les grands principes quand même. Dans les abysses, t'as quand même des poissons qui sont pas très colorés, avec. Ouais, t'as une femme poisson voilà. Qui porte des cailloux de qui font 3 tonnes. Ah, écoute, c'est de la magie ou pas de la magie? De là. C'est un peu ça, ouais. Bon, bah écoute, merci de nous avoir fait voyager. Ouais, et merci de m'avoir accompagné dans cette aventure. Bah, tout le plaisir était pour nous, hein, écoute. Voilà, au revoir à tous et à bientôt. À très bientôt à tous. Oui.